De l'autre camp là, ils vont le, il est déjà rejeté. Donc c'est comme on arrive à réfléchir les gens. Il faut dépeupler le royaume de Satan. Amen. Il faut dépeupler le royaume de Satan. Amen. Donc le monsieur l'a tiré Simon. Et quand il y a des esprits comme ça, mais il comprend que vraiment, ils sont dans une histoire où c'est des choses bizarres. Et on dit son nom, il est fâché. Pourquoi les gens disent son nom dans la confusion? Il s'appelle Kobo Nyawa Ditambé. Kobo Nyawa Ditambé. La vidéo même, là, c'est la vidéo, la page des gars sur YouTube. La vidéo même qui figure. Il a carrément dit, t'as acheté ça. Elle a acheté ça à 400 000 francs. Pour faire quoi? Pour tuer l'homme. Pour faire mauvais à l'homme. C'est lui qui a tiré sur moi. Il vient, dès qu'il arrive en niveau, c'est comme le bruit de 20 canons. C'est comme la foudre. Waouh! Il s'approchait, il a posé une pause. Et puis il a regardé. Moi, je me suis levé. Il m'a regardé. Il s'est approché. Je l'ai salué. Il m'a dit, tu es gaspillé. Il dit, mets ton genou. Il dit, tu es gaspillé. Il est illicite. Il dit, Jésus, ça, tout le monde sait ça. Tout le monde a peur de lui. Il dit, tu sais, j'ai anti-bas spirituel. Le verset 54, verset 17. Tout encore, j'ai compris. C'est la sensation. C'est pas du même Jésus. Dis amen. Amen. Donc Jésus lui protège. Il dit, toi, tu n'es pas le Christ. Il dit oui. Mais là-bas, il met un coton dans l'oreille déjà. Tu l'as misé de cotonnette. Tu mets le coton dans l'oreille déjà. Bénissons le Seigneur, notre Dieu. Il a déjà vu courir. Il coton dans tes yeux. Dans l'oreille. Donc, les gens vont à l'église d'or. Deux mêmes barbes, mais ça salit la bouche. Église. Le sorcier soutient. Amen. C'est Amen à Thierry. Ça fait quoi? Tu sais même pas. C'est dans Esaïe. J'ai dit, tu prends ta Bible, la Bible, vaincu, tu sors de l'église, tu es vaincu. Tu vas signer ta carte de baptême. Oh. Amen. Amen. Dieu protège. Et la Bible, la puissance de Dieu. J'ai tellement vu la main de Dieu. Tellement vu la puissance de Dieu. Tellement vu la puissance de Dieu. Ce n'est pas une question de grâce. Moi, je vis la parole de Dieu. C'est la même chose. C'est une question de foi. Or, sans la foi, Hébreu 11, verset 6, il est impossible de plaire à Dieu. Si tu ne vis pas ta foi, il sera difficile de voir Dieu se manifester dans ta vie. Il faut croire bêtement la parole de Dieu. Bêtement la parole. C'est ça qu'il faut constamment lire la parole. Tu la comprends et la vis. Jésus dit, mes paroles sont esprit de vie. Amen. On dit amen. Amen. Ne négligez rien. Parce que la spiritualité a horreur de la négligence. Ne négligez rien. Ne négligez pas la prière. Ne négligez pas la méditation de la parole de Dieu. Si vous voulez aller très loin avec Dieu, tout dépend de sa parole. Amen. 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 La chose pour le pape, c'est de choses faites en terre. Dieu n'a que créé des champions. Amen. Amen. Vous savez ça? Comment? Essayez de m'expliquer. Comment vous savez que chacun est champion? Chacun de nous est champion. Scientifiquement, expliquez-moi ça. Ah, vous ne savez pas? Pourquoi tu es champion? Tu ne sais pas? Qui peut expliquer? Oulou, c'est tellement simple, on a tous expliqué ça à l'école. Oui. Merci. Allons-y, explique. 1 milliard de sémantologie. 1 milliard. Un seul arrive à féconder. Un seul arrive à féconder, c'est toi. Les autres sont moins 1 milliard. Toi, tu es venu pour... Tu es venu homme. Déjà, tu n'es pas ta naissance, tu es déjà champion. Acclame le Seigneur. Donc, c'est à toi maintenant de rentrer, de croire que tu es champion. Donc, le diable te fait, donc, dit des choses, tout le... c'est fini. Non. Tu es un champion. Alléluia. Amen. Je tiens le vie. Ça va chez toi? Hein? Il vient un peu. Assez, vas-y, vas-y.
Ça va? Hein? Un peu. Bien, bien. Tu dis un peu, ça veut dire. Bien. Il faut que tu me dises, je t'explique cette histoire un peu. Non, mais quand tu dis un peu, il y a quoi, tout c'est un peu. Qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu as? Et puis tu constates que un peu. Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose en toi? Est-ce que tu réalises? Je réalise quelque chose. Comme un démon bizarre. Un démon bizarre. Ah, il veut des problèmes. Et comment il fait? Il veut me faire peur. Il veut te faire peur. Ça veut dire quoi? Il fait des trucs. Ça monte des mots. Ça monte des peurs aussi. Il te miroite les choses. Comment? Et depuis quand tu as constaté ça? Maman, ouais. Tu viens d'où? L'Angola, c'est ça? C'est l'Angola? L'Angola, là-bas. Et puis, quand ta maman voyage, quand vous allez en Angola, c'est ça? J'ai eu un entretien avec elle aujourd'hui. Après ta délivrance, tu as changé avec elle. Elle t'a dit que tu gênais? Non. Elle t'a pas dit? Tu as dit ça? J'ai eu un entretien avec elle. Et quand tu dis qu'après qu'elle a voyagé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la maison, comme s'il n'y avait pas la paix de la maison. C'est comme, il y a une prison, c'est ça? C'est comme une prison. Une présence. Il y a une présence même d'un démon. Parce que juste à la maison, j'entends des appels. Et puis j'entends des bruits. Je pas, comme j'ai mis un verset là, je pas des ténèbres. Non, c'est ça, quand on trouve tout le temps à penser à ça, je me quitte. J'entends bien pas plus. Vas-y, parle. Donc tous les jours, quand je pense à ça, ça me trouble le mental. Je suis là. Je ne sais pas comme si j'ai fait un jour de vie. Tu n'as plus envie de vivre. Mais maintenant, et à quel moment je me suis dit. C'est ça qu'on a prié pour toi ce matin. Oui, je me suis. Et c'est moi, je me suis donné quand même un peu de courage. Parce que comme ma mère était malade. Parce que c'est moi. La mère aussi a fait une dépression. Oui, c'est moi, j'ai commencé à prier un peu. Ah, d'accord. Donc, quand j'ai commencé à prier, la mère à l'hôpital. C'est ça, elle est à l'hôpital que ma mère a fait. Avant que même ça. Quand tu as prié pour l'esprit t'attaquer après. Je veux que l'esprit se lève. Je veux que ma mère soit avec moi. J'étais à la maison. Une femme, la grande soeur, sa fille, et mes deux petits frères. Donc, la nuit, je constatais des attaques, des tremblements de terre. Moi, je commençais à prier, Non, mais les deux autres, ils me prenaient pour ça. Mais moi, ils savaient ce que je voulais, ce que je savais. J'ai commencé à prier, je priais. Et après des attaques, je priais. Donc j'ai dit, moi, monsieur, je me suis mis dans la tête. Si je veux attendre que les attaques sont là pour prier, pour ça, je ne sais pas. Parce que lui fait qu'à partir. Donc j'ai prié une fois pour tout, puis je suis allé dormir. Et j'ai dormi après mes soeurs. Maintenant, dans la nuit, quand je dormais, c'est moi-même que j'ai commencé à douter. Parce que j'étais seul. Et il y a mon frère qui était en Côte d'Ivoire. Il avait encore dit que non, que c'est la soeur, notre soeur, c'était une sorcière. La prison, c'était une sorcière. Donc j'ai commencé à me trouver de ma pensée. Il y avait une mauvaise pensée qui me venait. Comme si le Seigneur avait déjà mis un bouclier. Mais moi je crois que le Seigneur fait le Seigneur. Vous avez compris, non? Vous comprenez un peu le message du petit? Il a commencé à douter. Et c'est ça le diable qui fera douter. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait à elle. Il dit, est-ce qu'il a, Dieu a vraiment dit? Elle dit, mais oui, mais. Dieu dit si nous mangeons, voici, dit, mais vous serez comme Dieu. Donc ceci est dit aux gens, il n'a pas répété la parole de Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, donc l'homme ressemble à Dieu. Vous comprenez? Satan, c'est un menteur. Il n'a fait que répondre la parole de Dieu. Vous serez comme lui. Donc vous êtes déjà comme lui. Vous vous êtes fait à sa ressemblance, à son image. Et voici. Non, quand je commence à me douter plusieurs fois. Après, je me suis donné. Après, je ne sais pas, je me suis levé. Et je sors, j'ai senti comme un vertige, comme si je n'étais pas où je j'étais. Maintenant, je. Tu as fait la crise, c'est son frère. Il a fait une crise. Et comment ça s'est passé? Hein? Je disais les choses qui n'ont pas de sens. Tel que. Il était violent. Oui, il était violent. Vous parlez mal. Vous menacez. Oui, on le connaît que tu n'es pas une tapée à
Donc, quand je dormais, après avoir eu le coup, quand je me suis réveillé, j'avais le vertige. Donc, le plan que je savais le vertige. Comme si donc, l'esprit est venu là, le jour où tu as eu le doute. Oui. Quand j'ai eu le doute dans le vertige. Donc, je me suis réveillé, j'étais pas. Quand j'ai parlé avec mes soeurs, comme si j'étais pas sûr si c'était vraiment, j'étais vraiment à leur place. Comme si j'étais déjà dans le monde. Je fais la voix là, mais comme si. On peut la voir là, mais moi, laisse cette personne lui qu'elle ne m'a plus de voir là, mais moi je la vois là. Parce que je vois des trucs que je vois. Donc c'est ça, je tournais, je vois la cuisine. Parce que moi, parce que comme mon frère commençait à parler, déjà, moi je commençais à la soupçonner. Je la voyais déjà des fois parler seul. Je ne sais pas déjà pas. Mais moi, je vois une lui qui est en face de moi. Tout du temps. Je l'ai soupçonné plusieurs fois. Donc quand je vois elle tourne même le regard. Donc tout le monde dort. Mais quand je dors, moi j'arrive pas à dormir. Il y a des moustiques qui me piquent. Je ne sais pas d'où les moustiques. Et après je vois des pas de ténèbres. Parce que quand on dort dans la chambre, il y avait la porte. Et le lit est là. Je vois des pas même comme un homme qui marche. Oh, je me suis rendu compte en même temps que c'est moi seul qui entend ces pas. D'accord. Que c'est moi seul qui entend les pas. D'accord. Les autres sciences, c'est les autres, c'est une seule façon. D'accord. Donc je dors, je vois les pas, je suis venu. Je dis comment ça? Comment moi si je peux voir les pas et les autres? Donc ça veut dire quoi? Que c'était mes yeux, ce ne sont pas mes yeux qui sont là. Donc je me suis dit, j'ai fermé les yeux. Et puis j'ai commencé à prier. J'ai prié. Quand j'ai fermé mes yeux, je priais dans ma bouche. Donc quand je priais dans ma bouche, comme si ce n'est pas ce que je dis, c'est ton seul. J'ai dit d'accord. Quand même, c'est pas ça. Je vais prier en esprit dans mon âme, je prie moi seul. Donc je priais, après mon corps commençait à remuer beaucoup. Je remuais quand je priais, j'ai vu moi. C'est le moment où j'ai vu ma cousine sortir de mon corps. Voilà. Ma cousine. Puis je l'ai vu sortir de mon corps. Et tant que je l'ai vu sortir avec, j'ai reconnu l'abus, j'ai vu, mais des fois couché, j'espère que je vais vu. J'ai fermé un peu les yeux. Donc en même temps, elle savait déjà que moi je savais que elle n'était pas sûre quand même. Donc pour ça, elle est sortie déjà, elle a changé de vêtements. Donc, on a commencé à échanger les vêtements. Donc, moi, je suis revenu. Parce que je crois que je n'étais pas totalement délivré. J'ai enlevé une partie seulement. Et je voyais quand même, mais pas totalement. Voilà. Donc, je commence à marcher. Elle fait le tout. Je commence à bouger. Maintenant, j'étais sûr de ce que je voulais. Ce que je voulais, c'est que c'est les autres. Là, maintenant, j'étais sûr de ça. Donc, quand je fais comme ça, je commence à trembler. Je dis au nom de Jésus, ça s'arrête. Je prie, ça fait ça. Ça bouge. Il y a un certain moment, donc moi je dis non, mais moi c'était, j'avais mal agi le premier moment. Parce que moi je voulais démontrer physiquement mon fils. Donc quand on s'en réveillait ça, je voulais faire comprendre à mes frères là. C'est elle. Mais quand je dis que c'est elle, ça dit un autre mot. Ça ne dit pas ça. Donc je dis c'est elle. Je dis non, ça dit un autre mot. Je lui dis que non, c'est elle à mes frères. Je dis ça, c'est à l'attention. Mais ça dit un autre mot. Donc je fais ma vie, je crois que c'est ça. Donc elle n'a même pas compris parce que comme je n'arrivais pas à parler, mais moi je dis français mais pas seul. En français c'est elle aussi. Je sais pas, je sais plusieurs fois de faire comprendre. Parce que surtout les fois quand je tremblais, j'avais une TV là Non, c'est pas la radio, elle une TV, ça parle de Dieu. Donc quand c'est la fois que je tremblais beaucoup, je mettais mon oreille, ça se calmait. Et que ça se calmait un peu, je veux parler, j'arrive à parler, mais là, c'est ce que je dis. Après quelques moments, bon, ça ne va pas. Quand je passe, on n'entend pas ce que je dis. Comme si je dis une autre chose. Donc, le moment que j'ai commencé à foncer, c'est elle, elle commence aussi à prier. Elle a fait aussi peur. Donc, elle a prié pour toi ce matin. Le matin. Ah, d'accord, tu n'as pas su. Ah, le matin. Oui. Qu'est-ce que tu as vu? Non, je vois des trucs bizarres. Comme si. Un homme qui dort derrière moi, il me parle du coup, je ne sais pas. Pat! Dégage! 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 Lâche-le. Tu m'attends? Son corps. Maintenant.
Lâche encore. Lâche-le. Lâche-le. Lâchez-le. Au nom de Jésus. Lâchez son âme. M'attendez, lâchez-le. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pas la peine de fermer les yeux, c'est moi qui prie. C'est moi, je prie. Ils sont très sensibles. Quand on fait des livres, ouvrez les yeux, hein, on ne sait jamais. À moins que l'homme de Dieu vous dit de fermer les yeux. Tiens!